Hey, salut à tous, c'est Dina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Apocalypse Challenge avec notre petite Eline. Nous avons quitté la fois dernière sur Mip qui devenait adolescente et j'avais dit qu'elle irait dans une carrière de méchant. Alors, j'hésite entre la carrière agent secret méchant et patron de la carrière criminelle. Je pense que patron, ça lui irait bien. Et comme ça, on garderait notre argent. Nous voulons des miracles. Je voudrais un petit miracle pour que mes Sims aillent bien. Toi, tu vas pas dormir. Ça, c'est mort. Et après, tu vas me faire le plaisir, l'immense plaisir de te laver les mains. Pourquoi tu... Attends, t'as déjà quelqu'un qui vient. Je suis désolée, je te demande des choses compliquées. Tu vas un peu me sculpter ça. Ouais, bah tu fais ça. Et arrête de faire... Je gère des crises planétaires. Ah, petit démon, ça va. Petit démon à faim. Démon plus, mais ça c'est normal. Molly le micro, ce n'est pas un jeu. Ça, c'est bon. C'est compliqué pour toi, mais tu pues. Non, pas toi, Molly. Toi, tu t'occupes. Ah, bah tu peux apprendre à ta soeur quelque chose. Hein. Elle est géniale, cette enfant. Vas-y, elle joueuse. Il y a juste la réflexion qui est pas. C'est pas ça la réflexion, on est d'accord. Tu es quand d'amour. Ça va. Elle pue, c'est tout. Tu parles à la poubelle. Alors, elle est habillée comme elle est habillée. Elle a l'air fâchée. Elle est en colère contre nous? Non, tu pas encore. Elle est plutôt mignonne, hein. Est-ce qu'on la draguerait pas un petit peu quand même? On va quand même dire qu'elle est jolie. Hein. Elle est mal habillée, mais... Enfin, je sais pas, elle s'est crue à Soulami en fait. Elle s'est crue à Soulami. Bon, si elle est célibataire, c'est peut-être une bonne idée d'abord. Hein. C'est une de notre... Elle est sans emploi, c'est très bien. Allez, drague un petit peu. On croit en toi, Dan. Allez, casse-toi, Cassandra. Est-ce qu'elle va vouloir qu'on la drague? Oh, il y a peut-être moyen. Suggestif. Est-ce qu'elle veut bien? Oui. Elle a l'air réceptive, mais moi j'ai toujours peur. On va faire un premier baiser. Non, elle est partie. Non. On va lui reparler. Ou tu repars pas, non. Mec, il la laisse pas partir. Dit oui. Elle a l'air contente. On va lui demander d'être notre petite amie. Ah non, pourquoi elle est méchante? Non, on va s'excuser, c'est notre faute. On sait pas pourquoi, mais c'est notre faute. Non. Comment on fait? Je m'excuse, je sais pas ce que... Non, mais reviens, on va s'excuser. Elle sort. Pourquoi tu t'en vas? Non, tu peux pas t'en aller, on s'excuse. Voilà, moi. Elle nous aime bien, pourquoi elle nous a crié dessus? Nous, on s'occupe d'elle, démon, pas ça. Et ses réflexions, elle y monte. Hein. Après, je me posais encore la question, qu'est-ce que c'est? Et on sait pas faire un qu'est-ce que c'est là? Un qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien les qu'est-ce que c'est. Tandis que Mip part à l'école, sa famille va l'aider à faire ses projets. Ils sont trop mignons. Augmenter la résolution de conflit, la responsabilité, l'empathie. On va sûrement diminuer la responsabilité parce que l'empathie et l'émotion, bonne chance. Ça. Denis, t'as encore cassé la chose? Mais répare, mec. Répare, cher ami. C'est papa qui fait tout le travail pendant qu'elle se parle sur un ton mauvais. On va se renseigner sur Salma. Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer Salma. Ça va arriver. Et cet enfant a faim, cet enfant pue, cet enfant m'ennuie. Alors, tout va bien.
On va voir ses compétences à cette petite. Elle a 4 en communication, 2 en imagination, 3 en mouvement, 2 en peau. Et si on faisait en sorte qu'elle avait le 3 en peau et en réflexion. On va monter un petit peu les compétences de notre petite Eline. Vas-y Eline, pendant que tout le monde va plus ou moins bien et qu'on n'a pas Mip sur le dos, tu peux le faire. Voilà, Eline atteint le niveau 3. Qu'est-ce qu'on apprend? Oh, tes souhaits, chérie. Tout plein de tri. Ça a pas l'air très amusant. Ok, tu vas... ici. À fouiner dans un journal intime. Quelle lecture passionnante. Mip vient de lire le journal intime de quelqu'un d'autre et c'était délicieusement divertissement. Je veux manger. Ok, c'est pas flippant du tout. Vas-y, mange. Elle veut manger sur son lit. Voilà, c'est rien. Voilà. Le travail de Dan commence dans 1 heure. Ah ah. Ah ah. Ouhou. Alors, toi. Séisme. Oh, j'aime pas les séismes. Tout le monde est malade après. Les séismes, c'est là. Oh, tremblement. Non, non. Non, 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 va pas appeler maman. Tu es une grande fille. Tu joues à la poupée. Voilà. Ellie, elle a des manières. Ah, parce qu'on lui a appris, s'il te plaît, merci. Cet enfant a déjà des manières. C'est ouf. Cet enfant a des manières. C'est la maison de poupée. Non! Non! Non, elle a gazé ma maison! Oh! Qu'elle est méchante! Elle est vilaine, ma soeur! Je vais lui hurler dessus! Oui, je vais te hurler dessus! Répare-la! Ça coûte de l'argent! Tu vas me la réparer! Tout de suite! Répare ça! Déjà que tu perds de l'empathie! Tu répares. Mip, tu répares ma maison de poupée tout de suite. C'est ma maison de poupée et je veux que tu me la répares. Dépêche-toi. Et que ça saute. C'est moi le chef. Je m'appelle Eline. Allez, vas-y. Ah, tu regrettes déjà. Ah, tu regrettes. C'est pas ce bébé en couche qui va m'apprendre. Hein. Allez, vas-y, répare. Allez. Ah, elle a tout détruit. Vas-y, vas-y, démon. Vas-y. Et en même temps, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je veux en plus que tu m'apprennes à parler. Voilà. C'est qu'elle... Tu vois? C'est Eline qui dicte à sa sœur ce qu'elle doit faire. Voilà. Oh, elle est gentille, elle fait le ménage. Moi, je l'aime bien. Est-ce qu'on ne serait pas gentil avec elle? On va partager de l'amour. Viens jouer avec nous. Oh, l'adorable Salma. Oh non, ça c'est trop adorable. Elle a l'air débile. Hein. Oh, c'est trop chou. Un petit bonbon. Oh. Oh, ça c'est mignon. C'est mignon, mignon, mignon. Tu peux m'apprendre des choses. C'est le bambin qui reste qui là. Oh, le mignon, regardez. Elle mange le livre. Hop. Ça, tu auras peut-être le niveau 4. Moi, j'y ai un moyen. Oh non, 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 non. J'aimais bien. J'aimais bien le fait. Il est où ton livre en fait? Je l'ai déposé où? Ah oui, t'as le livre là. Allez, monte-moi l'imagination. Allez, sois gentil. Il me restera quelques niveaux et j'aimerais bien que tu puisses. Un reste de jour. Ah, mini, mini, mini. Je sais pas s'il va vouloir. Dan, je suis happy pour une histoire. Je suis très en colère, mais je danse. Je suis un démon, un petit alien. Viens me chercher. Dan, allez bien. Viens avec tes toutous, viens, je t'attends. Allez, vas-y. Oui,
Je veux une histoire. Je veux une histoire. Donne-moi une histoire. Elle se fait vraiment aider, c'est une princesse d'être la dernière. Vas-y. Mon histoire. Allez. Mets-moi au lit. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est faire des photos. Et les photos. Ça va être compliqué parce que je sais absolument pas où on va les trouver. Elle est tendue, c'est bon. Elle va le faire toute seule la photo, c'est moi qui rêve. Ils ont pas l'air de vouloir, hein. Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Ta gaillolure de machine. Je pense qu'il manque quelque chose, c'est pas possible, ça fonctionne pas. Je comprends pas. Je suis bête à ce point-là. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça me saoule. Ça me sous-saoule même. Je voulais faire une photo. Pourquoi quand je fais les photos, ça ne marche pas? C'est pourri votre truc. Ou alors c'est moi qui suis nulle aussi. C'est peut-être là-dedans? Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Pourquoi ce serait là-dedans et le reste, ce serait dans l'autre truc? Ça n'a pas de chance. Je vais aller sur le truc Moschino. Allez hop, ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, oui. C'est kit. Ça m'énerve. Je veux même prendre une photo, c'est censé être simple. J'ai le trépied, j'ai l'appareil, je vais faire une photo, photo. Mais que dalle! Mais si tu crois que ça va marcher, mais tu te fourres les doigts dans le nez. Et là, c'est mon jeu qui me dit, je ne veux pas que tu fonctionnes, petit humain. Je veux que tu galères. Alors, le kit, ah, on a mis Moschino. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça, c'est ça. Des marques de placement, je te jure, vous allez vous poster. Non, pas ça. Prendre. Je peux pas aller. Mais non, elle s'est mise derrière. Voilà la photo de famille. La tête de Mip qui s'est pas mise sur sa marque. Bon, Mip. Mip. Déjà, mets-toi sur ta marque. Hein. Ok. Maman, on reprend. Non, stop, stop, stop. Tu vas crever un œil à quelqu'un. Prends une photo de Dan, Mip et Denis. On peut prendre une photo des trois. Ça sent pas le bonheur. Allez, s'il vous plaît, c'est pour maman. Oh non, 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 faites la photo, vous, s'il vous plaît. La photo, s'il vous plaît. Ça peut pas faire. Mais pourquoi ils veulent pas? Genre, ils sont tous les trois là pourtant. Là, j'en ai ras le cul. Maman, elle en peut plus. On sait pas faire des photos de famille, c'est quoi ce délire? Oh! Ouh putain, désolée pour le gros, pour la grossièreté, j'en pouvais plus. Pas pleurer. Mais pas mal celle-là. On a fait avec les photos qu'on a pu faire. Hein. Ça a été une journée assez galère, mais comme ça, on aura quelques souvenirs de la famille de Denis notamment. J'adore cette photo-là. Je l'ai réglée sur quoi la vitesse? Une heure, je crois que c'est bien, sinon... Ça varie pas, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça. Comme ça, on a des photos, voilà, la photo d'Anne, du Dan. De Dan, de la rencontre de Penny, la petite Mip, la petite Eline. Bon, par contre, dans ce format-là, il faudra que je fasse d'autres photos, parce qu'on retrouve souvent la même, mais... Je pense que quand il y aura plus de photos, ce sera un peu mieux. On va se quitter sur qui? Sur la petite démon? Donc on va se quitter sur la petite Eline qui court. Voilà. Et elle court. J'espère que cet épisode vous a bien plu. La maison n'est toujours pas réparée. Eline court pour monter sa compétence au mouvement. Denis, dans le prochain épisode, risque de mourir. Je me pose la question, est-ce qu'on n'essaierait pas de marier Dan avant que Denis meure?
Ça, c'est la bonne question. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a bien plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à communiquer en commentaire. Je vous dis à la fois prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Meurs pas tout de suite, hein. Attends que j'enregistre, ok. Oh, toupinette. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Oh. Un incendie? Non. Qui a faim à manger? Une soule et six. C'est bien la même famille, sérieusement.